Yo tout le monde, c'est TheMaxDavidZ et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo encore une fois sur Call of Duty Black Ops 2. On me retrouve sur la map Ejaked à la MSMC en mêlée générale. Alors pourquoi mêlée générale? Car je vais lancer une petite série, je sais pas si elle a été faite sur YouTube ou quoi, j'ai pas retourné tout YouTube pour savoir si la série était déjà lancée. Mais en gros je vais devoir essayer de gagner le maximum de parties de mêlée générale avec différentes armes. Donc ça peut être les fusils d'assaut, les mitraillettes, les snipers, les armes secondaires, enfin pratiquement toutes les armes. Je vais essayer de le faire avec une arme différente pour chaque vidéo. Donc on va se pencher sur le gameplay. Je suis à la MSMC sur la map Ejaked comme j'ai déjà dit. Et je suis à 4-0 pour l'instant. Alors je vais commencer un bon début de partie on va dire. J'ai débloqué mon drone là au passage, 5-0. Je continue et là je vois un ennemi, je le tue. Du coup je débloque mon avion de chasse et je me fais tuer. On tombe je crois, mais on s'en fout. Alors je balance mon avion, je mon ennemi, je le tue. Je rentre dans l'avion. Alors je sais pas si je vais commenter exactement tout le gameplay, hein, parce que je sais pas si ça vous plaît ou quoi. Donc j'espère que des fois je parle de sujets pas du tout en rapport avec le gameplay, donc excusez-moi. Donc on continue, je rentre par l'avion, je vois l'ennemi, je le tue, je vois une autre escalier, je le tue, je monte en haut. Vous avez vu, je suis pas mort beaucoup de fois pour l'instant, je fais du 10, je suis à 10 kills, l'ennemi derrière moi est à 6 kills. Bon, maintenant 7. Et oui, je jouais avec la bêtise, vous m'avez grillé. Je suis un noob, je jouais avec la bêtise. Non, je rigole, je jouais avec la bêtise parce que j'aime bien, ça fait pas mal de kills. Et puis vu que tout le monde joue avec, donc pourquoi pas moi. Là, je vois un ennemi, j'avais un peu galéré à le tuer. J'ai fait une petite fête et j'arrive quand même à le tuer à la fin. Mais là, il y avait un deuxième joueur, j'ai été parti sur le drone shot. Je me déconne l'ennemi. Là, je me cache pour recharger, l'ennemi se fait tuer. Je vois l'ennemi et je le tue. Encore avec un mini drone shot. Là, vous voyez que mes déplacements sont assez techniques. Hein. Je reste pas loin des spawns. Enfin, j'essaie de dégoter le maximum d'ennemis possible. Bon, lui, il m'a eu. Malheureusement, il m'a campé dans ma série. Et oui, toujours avec ma bêtise. J'avance, je change, je décide de passer par la gauche du bateau. J'avance là où il y a habituellement du monde, mais il y a des personnes. Pas de chance. Vous allez voir qu'on n'était pas au complet dans la partie, on devait être 5, 4 ou 5. Donc c'était pas facile. C'est pour ça que la partie dure un peu plus longtemps. C'est un peu galère à trouver les ennemis. Oui, je l'ai vu, mais je me suis dit de loin avec la MSMC, ça va être chaud. Je préfère me barrer. Je regarde s'il revenait pas, on sait jamais. Il n'est pas revenu, hein. Il n'était pas si bête que ça. Je monte au escalier, le campeur qui allait balancer sa grenade flash ou ces espèces de taser, j'appelle ça des tasers, moi les charges électriques. Je vois l'ennemi, je galère, je le tue. Je rentre dans l'avion. Je retourne vers le spawn, je vois personne. Voilà. Y'a pas là. Hein. Bref, je voulais vous parler d'un autre sujet avec la gameplay. Pour l'autre vidéo que j'ai fait commenter, voilà, c'est bien fonctionné, vous avez bien aimé. Donc je pense que bah, du coup je vais continuer et comme j'ai dit je lancerai la série de gagner une mêlée générale avec une arme différente à chaque fois. Donc là lui j'avais un peu galéré, je l'avais vu mais c'était un peu chaud parce qu'il se cachait, donc j'ai fait le tour, j'ai attendu qu'il vienne, il est bien moi tout seul, je débloque mon drone, et là je sais pas ce que j'ai fait, j'ai sauté, j'ai pas tiré, donc lui m'a éclaté. Je balance mon drone, il allait le détruire donc. Ça va, j'ai eu de la chance, j'ai pu tuer, je me débarrasse d'un deuxième ennemi. Mon drone qui me sert pas mal quand même pour l'instant. Là je vois plus personne, tous les ennemis étaient à l'autre bout de la main. Ça c'est un peu chiant, je place toujours ma bêtise. Là je vois un ennemi qui apparaît sur la carte derrière, j'y vais pas. Je rentre dans l'avion, dans le bateau pardon. Il y avait un ennemi sur le radar et puis bah, il a disparu. Là je descends de l'échelle et puis l'autre il a pas eu de chance parce qu'il est éclaté. Je suis déjà à 21 kills, l'ennemi derrière moi il a 15 kills. Je monte au haut de l'avion pour essayer de choper le spawn ennemi.
Je galère vraiment et puis je suis pas réussi à l'avoir. Là j'ai respawn au milieu du bateau. Je retourne vers la fin du bateau, mais il n'y a personne. Je retourne là où j'étais et là vous allez voir c'est à partir de maintenant que je me fais vraiment éclater. Surtout quand on est encore à quelques kills de la fin, on se fait un peu défoncer et on a un peu de mal à remonter du coup. Là je vois un ennemi, j'arrive pas à le tuer, mais lui il m'a tué. Et à partir de là je commence à rager parce qu'il y a eu aussi une petite migration de bot. Après vous allez voir ça. Ou elle est déjà passée, je sais plus. Désolé. Vous avez pu voir que le score était à 19 et puis il est passé à 21. Donc il y a eu une migration puis ça a coupé la partie où j'avais fait le kill, donc j'ai pas trop compris. Donc encore désolé si les personnes qui ont fait attention à ça. Donc on est déjà à 6 minutes de la partie, je suis à 22 kills, l'ennemi à 17. Je galère un peu à tuer le 23ème. Et non, je le vois, je le bombarde. J'arrive pas à le tuer. Je vais sur lui et j'arrive quand même à l'avoir. Un petit coup de chance parce qu'il m'a fait pas mal d'histoire quand même. Donc là, je me balade toujours dans le spawn. Hein. Je fais attention parce que des fois, il respawn derrière nous. Donc c'est pas facile hein, de gérer. Je suis dans le bateau. Je surveille un peu les entrées. Personne. Je regarde. Vraiment personne. Hein. Vous allez voir que des fois je cours pas mal pour chercher un ennemi. Donc là, je regarde, il n'y a personne, vous voyez, toujours personne. Mais je pense que je vais vraiment pas faire de kill là pendant à peu près 2 minutes, j'ai fait aucun kill, je me suis juste éclaté. Là je vois un ennemi, j'arrive à le tuer. Et je me fais tuer direct après, donc j'ai pas énormément de chance non plus. Là je vois un ennemi, mais c'était super mal, ça sert à rien de tirer, je me suis fait peiner. J'en vois une autre, je lui tire dessus, mais je l'ai pas eu. J'en balance ma bêtise. Mon ennemi il est passé par dessus. Je rentre dedans. Il est déjà mort. Je tire sur le cadavre. Je ne sais pas pourquoi. J'ai eu peur. Je rentre encore dans le bateau. J'ai vu sur le spawn. Personne. Je retourne au milieu du bateau. Je vois un ennemi. Je rentre dedans. Je me dis, je vais peut-être l'avoir. Et je l'ai eu. Et pas mal. J'ai un peu galère à l'avoir. Mais je l'ai eu. C'est le principal. Je vais au fond du bateau pour une fois et encore personne et là je me fais tuer, pas de chance. Donc je respawn là où je surveillais habituellement. J'y vais, je retourne au milieu du bateau et là je vois l'ennemi, je le tue tranquillement dedans. Ok, je suis à 26 kills, l'ennemi à 22 kills, je rembourse ma bêtise encore une fois. Suspense. Je continue au milieu du bateau, je monte en haut du bateau. Personne, je pensais qu'il y avait une ou deux personnes, mais je l'allume, je le bombarde, hit marker, je rentre dedans, je sais pas ce que je fais, je saute et il me tue. Je me suis fait avoir comme une merde, mais c'est pas grave, j'avais juste à recharger et le tuer, mais non, je sais pas, j'ai bugué. Là, je me prends des hit marker, je tire sur la cadavre encore une fois et je me fais tuer. Pourquoi pas, c'est la 27 ennemi à 25 en face, j'ai commencé un peu à stresser entre guillemets, parce que c'est pas comme si c'était une. Je tentais une nuque, je ne sais pas. Donc je vais au milieu, là j'arrive à tuer les millions de scope, je rentre là et le campeur il me balance sa charge électrique, enfin il campait pas, il arrivait. Mais bon, je pense qu'il allait camper pour placer sa charge. Et là je vais tuer l'ennemi le dernier, j'y arrive pas, je fais hit marker. J'ai eu un peu le seum, parce que je me suis dit oh il aurait dû mourir. Donc je suis à 29 kills, l'ennemi à 27 et là j'ai fait le 30ème kill. Donc voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et on termine la partie avec un tué 30 morts 13 fois. C'était TheMaxZZ, bye tout le monde.